Ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Comme vous avez pu le constater, encore une fois, le Paris Saint-Germain repart en Ligue des Champions sans la victoire. Vous avez pu le voir, cette année, encore une fois, le Paris Saint-Germain nous déçoit en Ligue des Champions. Et comme vous avez pu le voir, on entend encore tous les jours des nouveaux dossiers au niveau du Paris Saint-Germain qui sont extra-sportifs. On aurait dit que là-bas, c'est la télé-réalité. Hein? On parle d'une équipe de foot et tous les jours, il y a des nouveaux dossiers. Ouais, l'autre, il est parti dormir là-bas. Ouais, l'autre, il est parti manger du mafé. Ouais, l'autre, il est parti manger au grec. Ouais, l'autre, il est parti à la chicha. Ouais, l'autre, il est parti au bois de Boulogne. On est fatigué. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Une équipe du Paris Saint-Germain complètement disloquée. Et en plus de ça, vous connaissez les arbitres. Ils sont contre le Paris Saint-Germain. Combien de cartons rouges auraient dû être sifflés ce soir? Le petit Enzo, là, il a blessé combien de joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Il a blessé Verratti, il a blessé Mbappé, il a blessé Neymar. Il blesse tout le monde! Hein? Un boucher comme ça! Alors là, franchement, je suis complètement, littéralement déçu par le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, vous avez pu le voir, il répond positivement sur le terrain. Vous avez vu toutes les polémiques qu'il y a envers lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait quand il y a le pénalty? Il prend ses responsabilités, il met le but au fond. Donc vous avez beau parler, faire du blablabla, tout ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain, lorsque t'enlèves Léo, Lionel, Messi, on est complètement paralysé. On a fait 0-0 contre Reims parce que Messi n'était pas là. Un partout contre Benfica. Benfica. Hein? On était censé se qualifier ce soir. Et voilà, Erling Haaland, officiellement qualifié pour les huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain va devoir aller jouer sa huitième de finale à Maccabi. Voilà, on doit aller à Maccabi pour aller se qualifier. Ou bien c'est Maccabi qui vient, j'en sais rien. Bon là, en tout cas, on a pu voir que là, il y a plein de joueurs qui sont encore blessés ou bien suspendus pour la réception de l'Olympique de Marseille. Donc eux, ils vont venir, ils vont faire les malins, ils vont faire les bambins, ils vont venir, ils vont jouer à fond, alors que nous, on est complètement diminués. Hein? Non mais franchement, je suis complètement fatigué là. J'en ai marre. Là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Tu penses que nous, on va aller loin en Ligue des Champions? J'espère. Tu connais. Je vais toujours soutenir le Paris Saint-Germain. Combien de fois vous m'avez vu pleurer pour la Ligue des Champions? Combien de fois? Combien de fois vous m'avez vu pleurer? Chaque année, tout le temps, je suis fatigué, je suis fatigué. On ne peut pas voir des matchs masterclass un petit peu. Ça y est, vous êtes allé en finale en 2000, pendant le Covid, c'est terminé quoi, c'est fini. Oups, on oublie tout. Voilà, c'était parce qu'il y avait la pandémie, voilà. Mais maintenant, c'est fini. Hein? Donc, Kiki Mbappé, il veut partir. C'est légitime, bien sûr. Vous pensez que lui, il a le temps? Hein? Vous pensez qu'il a le temps de se faire maltraiter? Champion du monde! Champion du monde! Hein? À 20 ans! Et vous êtes quand vous lui parlez de ouais, non, il a la grosse tête. Ferme ta bouche! Tu mets les buts qu'il met, tu joues dans des stades, il n'y a pas de public. T'es là, tu parles, tu fais des fives. Lui, il joue devant des stades. Il est suivi par le monde entier. LeBron James, il vient, il lui serre la main. Et vous venez, ouais, il a pris la grosse tête, il est détestable. Tu fermes ta bouche, tu la fermes, tu fermes ta bouche. À la fin, c'est le joueur qui a raison. Mbappé a raison, à tous les points. Mais bon, on a pu voir aussi que le roi Neymar, franchement, c'est vraiment trop un grand joueur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau sur le terrain.